Hey, bonjour à toutes et à tous, c'est Makito, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Tinitina, on va continuer notre progression. Alors, je tourne cet épisode à la suite du précédent. Parce que, bah, vu qu'on s'est arrêté en plein milieu, j'aimerais bien terminer la zone. Donc, on est parti. Trouver les lettres. Ah oui, on avait ça, et on avait la mission secondaire pour Clap Trap à faire. Donc, on est parti. Alors, je crois que. Je crois que mon piège mort en fait a tué tout le monde. Ah non, il reste plein de monde, ça va. Saloperie. Ils sont en train de se battre avec les orques. Ouais, ces grenades. C'est l'anarchie, ces grenades. Clairement. Alors, est-ce qu'on a un truc intéressant ici? J'ai pas l'impression. J'ai fait des réglages avec mes sons, c'est vrai que je sais pas ce qui s'est passé. La musique était très très forte. Et avec toutes les explosions, bah j'avoue qu'on m'entend quasiment presque pas en fait. Enfin on m'entend hein. Mais c'était léger. C'est pas la bonne mine pour jouer au con. Bien joué. On va faire qu'une bouchée de toi. Ça, je les déglingue, ouais. Sac à vomi, toi-même, ouais. Ouais, j'ai vu que tu m'avais tiré plein de trucs, toi. Je me méfie parce que regardez, il me tire des trucs, l'autre là-haut. Là. Il y a une musique de boss à moitié, non? Piège barre, il fait tout le taf, hein, voilà. C'est pour ça que ce perso... c'est oufissime, une fois qu'on commence à l'évoluer... C'est drôle de perdre. Alors on a par là et on a que par là. On a par là et c'est tout. Non, 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 t'énerve pas. Bon, il y a plein de trucs, hein, je les ouvre pas parce qu'au final ça me sert pas vraiment. Alors, on a ici. On a deux golems là qui nous attendent. On va aller checker par là pour voir. Ah bah en plus c'est la forge pour la quête de des barbes, je sais pas quoi. Là. Vous vous retrouvez nez à nez avec un casse-tête de nain. Pour le passer, vous allez devoir faire carburer votre matière grise genre Adon. Oh putain, des casse-têtes impossibles, des nains poilus, des explosions à gogo, c'est trop cool. Ok, alors attendez. Bien, tu l'as trouvé. Place les poils de barbe dans ses entrailles naines magiques. Ah, mais je suis pas obligé de faire le casse-tête. Combien de temps tu attends de pouvoir caser entrailles naines magiques? Plusieurs heures. Plusieurs heures. Faites pousser ma barbe.
sale barbe. Cool. Maintenant, reviens me voir et place la pilosité magique sur mon visage méritant de robot. Je sais pas trop ce qu'il faut faire avec le casse-tête là. Ah, ça doit être un truc où faut trouver l'ordre. Ou alors c'est un truc tout simple, il y a juste à tout activer, et on verra bien. Ouais, j'ai compris. Alors, ça c'était le premier. C'était le deuxième. Le troisième. Bon sang, j'ai horreur des casse-têtes. Bah. Moi je veux casser des trucs. Faut que je le refasse descendre, non? C'est pas ça d'ailleurs? Je me rappelle même plus déjà de l'ordre. Je pense qu'il faut que je fasse dans le bon ordre, mais... Alors, faut que j'observe bien parce que... Alors ça c'est le premier. Deuxième en face. Ça tu... A cogné le casse-tête. C'est comme ça. En fait, on pouvait pas y arriver, d'accord. Le casse-tête. Moi, je suis en train de me prendre la tête depuis tout à l'heure. J'ai même pas lu les trucs. C'est fini? C'est tout? Par contre, on a une porte là, ça m'intrigue. Ah, peut-être que si je résous le casse-tête, ça ouvre ça. Bon, en vrai, c'est pas super intéressant. C'est la lettre E. Allez, plus qu'une. C'est moi qui ai la dernière lettre, les nazes. Et avec la puissance du sorcier qui coule dans mes veines, vous ne l'aurez jamais. Ça sent le boss, ça sent le boss. Que la fête commence. Alors. Je mors. Hop. Nickel. Pas d'autre. Hein. Par contre, ouais, j'ai utilisé piège mort, j'aurais peut-être pas dû parce que si jamais il y a un boss. Ce qui
qui est presque même sûr. Ouais, c'est même sûr et certain. Alors on a une porte qui est encore fermée ici. J'ai des potions et des armures, je crois. Alors celui-là je vais le garder, celui-là je vais le revendre. Une meilleure grenade? Une grenade électrique? Ouais. En fait, on commence à looter des meilleures grenades parce que c'est le niveau en fait. Mais j'ai loot que des grenades en fait. Pour l'instant, je prends tout. Je retourne à la farm. Ah ouais, c'est clairement une zone. Une zone de boss. Faut que je tombe là, parce que ça fait haut. Vous entrez dans l'antre de Gloutodon le nain. Le sorcier lui a lavé le cerveau pour le convaincre de régner sur la mine. Vous remarquez aussi des globes magiques chelous. C'est peut-être ça qui rend Gloutodon si méchant. Gloutodon. Bienvenue dans mon antre. Vous allez crever. What? Ils y vont. Gaffe au brutal. Ah. Un combat de boss. C'est parti. L'air du combat de robot. Et c'est quoi le truc là derrière? J'arrive pas à tirer dessus parce que bah ouais, il vise trop tôt. On lui met tellement tari. Mais il vole. Ah non, c'est pas lui. Ouh, pardon. Ah, je peux pas tirer plus loin. De faire au maximum des nains. Alors, je sais pas s'il y a moyen de loot du stuff ici ou pas. Peut-être. Hein. Peut-être que je le farmerai. Bon, je pense que si, vu l'arme qu'on vient de loot là. Bon, toi, je te prends. Toi aussi, au cas où. Ouais, on met pas trop longtemps en plus à le tuer. Ça pourrait être un endroit où je devrais peut-être le farm en fait. Du coup, je peux passer là maintenant? Ouh, vous avez vu tout le loot? Du loot! Ouais,
Ouais, il y a beaucoup de trucs un peu inutiles, mais bon. Oh, le chiffre tout pourri, un 5. Je les prends même pas. Ça me dégoûte. Ça me dégoûte de voir ça. Bon travail, vous avez trouvé toutes les lettres. Maintenant, retournez voir Claptrap. Faut qu'on refasse tout le trajet à pied. C'est abusé. Bon, ok, Poulette. Voilà. J'ai rajouté des portails qui brillent pour vous, les gros flemmards. Tu nous as traités de calamars. De calamars. En tout cas, moi, ça me donne faim. Mais peu importe lequel. S-E-P-T, c'est ça qu'on doit remettre dans l'ordre? Ce serait pas 7, c'est 7, j'en suis sûr. C'est 7. Non, c'est paix. Cherche pas, c'est paix. Mettons que ce soit 7. Hein. Ce serait pas 7? C'est pas ça, le code secret? Le problème, c'est que je ne vois pas les lettres, en fait, non. Oh, bon sang. Je viens de comprendre. Bah, vas-y, dis-le. Bon, c'est... Paix. Hey, les mecs, quelqu'un a dit paix? Oh, c'est trop jeune comme blague. Oh, la vache. Là, tout gâché. C'est pas fou là. On va retourner voir l'autre pour lui rendre sa barbe. Parce qu'on a l'air de changer de zone. Et on avait une quête d'ailleurs. Fallait qu'on retourne en ville. Donc on va aller se faire ça aussi. On a le temps, on n'est pas pressé. Ouais, on avance bien. Tout loupé à cause d'eux là. Il est trop mignon avec sa barbe. J'ai l'impression d'être putain de génie maintenant. Un magicien ne vaut rien sans sa baguette. J'ai ma barbe magique, mais ma baguette est un peu à court de carburant. Tiens, la voilà. Je veux que tu enfonces ce truc dans des créatures magiques et que tu les tues. La magie qui coule dans leur sang. Il me l'a donné ou? Chargez ma baguette. D'abord, la baguette a besoin de magie de golem pour la stabilité. Trouve un golem magique. Attends, c'était pas très clair. Faut que je le fasse exploser avec une arme explosive, d'accord. J'ai mon fusil à pompe, ça devrait le faire. Dans le gros là-bas en fait.
avec toi là. C'est bon, la baguette est en place. Quoi? Super, la baguette se peut recharger. Oublie pas. Ah d'accord, c'était celui-là en fait qu'il fallait que je tue avec un truc explosif. Oh, mais j'avais pas compris. Un peu de magie arachnéenne pour la souplesse. Trouve une araignée et poignarde-la avec ma baguette. Vous voyez, ça c'est relou ça. Que le loot y tombe et tout. Faut qu'on se trouve des araignées. Il y en avait au tout début en fait. Ça fait un sacré chemin ça. Et des dégâts électriques. Ok. Et il va me falloir certainement une arme de feu au bout d'un moment. Je crois que c'est tout, on a tous les éléments. Là. Je vais vous faire une ellipse en fait, hein, parce que à moins que je peux couper. Parce que là, retourner au tout début, ça va être chaud. Hein. Parce que normalement, c'est juste là, non? Ouais, c'est juste là. Donc pas d'ellipse. Je coupe au travers. Je suis un rebelle. Je suis trop un rebelle. Moi, t'en coup à toi. Laissez-moi passer. Hey, tu vas me lâcher, hein. C'est mon robot en fait qui l'a tué. Bon, attendez, on va faire le ménage. Ah non, bah non, d'accord. Si tu pouvais tuer toutes les autres, ça m'arrangerait en fait. Tu disparais après. Allez, disparais. Disparais. Oust. Bon, on va aller vendre notre surplus. Le temps que piège mort disparaisse, parce que c'est vrai que. Il est un peu chiant en fait. Dans la station ecclésiastique portable du Dr. Z. Ouais. On va la revendre. Hein. Elle me plaît pas. Santé max. C'est bon? Allez. Merde, bouclier! Si tu tues pas l'araignée avec une arme électrique, la baguette se chargera pas! Je me sens plus. Je suis bloqué. Super! Tu n'as plus qu'à charger. Pour finir, la baguette a besoin d'une charge de magie orque pour la puissance. Tu sais ce qu'il te reste à faire? Tirer dans la tête des orques. Ah. Ça peut s'arranger ça aussi. Hein. Ça va, ça va. Alors par contre, il va y avoir le gros là. Ça compte?
Attends, je recharge. Vous voyez, elle recule. Pas de moi, toi. Bien joué. Au final, elle est plus puissante sans viser, toi. Ouais, voilà, il y a le boss. On va s'amuser. Sors d'où, toi. Non. Il m'a projeté dans le vide. Je suis deg. Ah, c'est trop. Putain, on n'est pas sur la lune. Annihilé. Ah, il est toujours là-bas, mon piègement. Ah, je suis dégoûté. Il tirait dans la tête. C'est le boss qui est toujours là? Ah ouais. Bon, ok, changement de plan. Oups. Oh mais il saute trop loin. Je suis bloqué. Oh la précision c'est surfait, arrête. Par contre moi je veux sortir en fait. Merci. Il nous a rien donné le boss en fait. Enfin, c'est pas vraiment un boss, remarque. Ah, par contre, c'était pas eux. Je lui mettre la baguette d'abord. Ah ouais, c'est trop. Oh merde! Il absorbe l'énergie de la baguette! Tu dois le tuer avec un coup critique. Le coup critique ne l'a pas tué. Il faut que tu trouves un autre orc. Ouais, non mais faut que je lui tire dans la tête avant qu'il disparaisse en fait. C'était vraiment du pif, hein. Et t'en fais pas, hein. Tout ce micmac avec l'orque, ça m'a servi de leçon. Bien, bon, je vous fais une ellipse parce que là, j'ai vu que la mission durait trop longtemps. Allez, à tout de suite. Ok, je suis revenu. Alors, j'ai passé un niveau, alors on va claquer nos points. Alors, j'ai dit que j'allais continuer là-dedans. Dégâts au corps à corps, ça peut être pas mal.
Balayer un rayon laser sur le champ de bataille, ça peut être pas mal aussi. Tuer des ennemis avec un coup crit provoque une tempête électrique qui inflige des dégâts électriques aux ennemis à proximité. Alors ouais, cette branche, elle est bien. Elle me plaît bien. Je sens la magie couler dans mes veines et ça me rend complètement fou. Complètement fou, je te dis. Fou. Il a encore une autre quête. Et cette leçon, c'est... La magie, c'est trop cool. Alors surtout, continue. Alors suis-moi. J'ai un truc à te montrer. Vas-y, vas-y, je te suis. Merci pour ton aide avec ces histoires de barbe et de baguette, au fait. En tant que magicien, c'est plutôt moi qui dois rendre service aux gens, normalement. Rends Moxie complètement folle de moi. Donne-moi toute la puissance du monde. Arrête de chialer et dégage de là, sale robot. Ça fait du bien d'être celui qui demande des trucs pour une fois. Oui, c'est pareil, avec Tina, c'est les deux ouf du jeu, en fait. Ouais, je sens pas là. Qu'est-ce qu'il fait? Oh dieu de la barbe magique! Dieu de la barbe magique! Pas trop là, c'est bizarre. Et enfin, il y aurait comme un problème. Tu pourrais t'occuper de ces types pendant que je prépare un contre-sort. What? Ça me fait penser à Disney. Je sais plus comment ça s'appelait. Avec Mickey. Allez, défonce-les! Mortel qui je mords! Ok, je vais le faire brûler! Barbe et pouvoir, épaisse et fleurie! Brûle-moi ces crétins comme des abrutis! Qu'est-ce qu'il fait? Je le sens pas là! Ah merde! Oh 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 oh! Il a menti! Tu t'en sors très bien! Domination! Heureusement que piège noir est là. En vrai, ils sont pas compliqués. Mais... Non, mais vous y arrêtez de faire spawn en fait. Ok, j'ai une meilleure idée. Je vais les rapetisser. Micro-nabo, fils de ficus, que ma barbe vous rende vraiment minus. Ok, ah, c'est pile l'inverse de ce que je voulais faire. Attends une seconde. Je sens qu'il va nous faire une connerie. Si j'essaie de lancer un sort négatif, ça devrait nous donner du positif. Mes autres sorts sont tombés à l'eau, alors j'invoque des clones brutaux. Ah ouais, non mais c'est clair, tu te fous de notre gueule là. Qui gagne en niveau en fait, les level up c'est quoi là? Non 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 non, fais pas ça, tu vas faire une connerie. Super. Je suis désolé, je vais essayer d'annuler ça. Je
je suis ralenti. Heureusement qu'il y a piège mort parce que sinon je suis dans la merde. Désolé, hein, je parlais pas parce que bah, vous avez vu tous les sons, je me suis dit que vous allez pas m'entendre. Lui, c'est vraiment un boulet, hein. C'est pas possible ça. Bon, c'est bien, on a gagné de l'iridium. D'ailleurs, on pourrait peut-être se claquer une petite. Je suis coincé. Je suis le plus grand invoqueur de balai de toute l'histoire de la cradomancie. La cradomancie. C'est tout? Ah ouais, non, c'est drôle. Bah en vrai, c'est pas nul, mais c'est pas forcément mieux, quoi. C'est pas nul, mais c'est pas forcément mieux. Tout ça pour ça, en fait. Eh, la mission était super longue pour ça. Ah ouais, non, c'est drôle. C'est trop les gars. J'ai gaspillé beaucoup d'iridium pour... Ah, je l'ai pas ce visage. Hop. Bah écoutez, je ne sais pas. Il nous reste pas beaucoup de temps, je pense qu'en vrai, je sais ce qu'on va faire. On va y aller tout de suite. On va aller farm le boss, vous savez, de fin. Je vais voir déjà si on peut le farm. Vous savez quoi, je vous fais une ellipse. Allez, à tout de suite. C'est un peu l'enfer pour revenir ici. Faut que je me retape toutes les pièces et tout. Ouais, y'a piège mort là qui s'amuse. Mais par contre, j'ai pas l'impression que je puisse refaire le boss en fait. On va voir, mais. Non. Non, 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 j'ai pas l'impression. Ah, si. Un combat de boss. C'est parti. Son torse en fait. Bon après je m'emmerde avec ça mais... Voilà, j'attendais qu'il revienne en fait, pour le loot. C'est chaud de le farm lui parce que du coup il faut tous retaper. Et ça c'est un peu long. En fait il y a une porte, je vais vous montrer. Il y a une porte qui s'ouvre en fait au bout d'un moment, celle où il y avait le roi des nains en fait, où on le tape. Et je sais pas. Elle est fermée en fait quand je reviens, donc c'est un peu chiant, je suis obligé de refaire tout le tour. Donc c'est pas fou.
Le loot a pas l'air d'être fou non plus ici. Est-ce que c'est vraiment rentable? J'ai pas l'impression. Ouais. Je préfère utiliser la catapulte. Quoique. Quoique. Ah, si. Prends comme ça. Ah, mais non, mais c'est dingue. Après, c'est vrai qu'il faut que je récupère de l'équipement blanc. Alors, attendez. Toi, déjà, hop. Et toi. Comme ça. Ouais, non, il est moins bien. Mais je fais comment pour partir en fait là? Ah si, attendez. Je pense qu'on va aller farm l'autre boss, je vais vous montrer. Celui que j'ai farm depuis je sais pas combien de temps. Là. Tout simplement. Parce que là, vous avez vu là, le temps que je retraverse tout le truc, que je reviens ici, en fait, au final, c'est pas rentable. Mais par contre, farm le boss qu'on avait fait dans une des vidéos précédentes. Je vais vous montrer comment faire. Je pense qu'on va se laisser là-dessus. Parce que si vous le faites mal, en fait, c'est pareil. Alors, peut-être que... Ouais, alors, par contre, attention, parce que j'ai tué personne. Même le loot là-dedans, il est nul. C'est nul. Ils ont repris toute leur vie en plus. Oh, c'est trop. C'est trop. Ah ouais, non mais attendez, parce que là, je suis obligé de me retaper tout. Tout le trajet. Oh non. Bon, je vous fais une ellipse et puis on se retrouve là-bas. Bien, du coup, donc je viens ici au tout début de la mine, et en fait ce que je fais, normalement j'ai pas besoin de le relancer, mais en gros je relance le jeu. En fait je fais hop, quitter, je vais vous montrer comme ça, direct. Bah, dépêche-toi quand même. Hop, j'attends que la sauvegarde se fait en bas. Je fais continuer. Ça, c'est pour ceux qui connaissent pas vraiment d'astuces. C'est un truc qui marche vraiment bien, ça, généralement, quand vous voulez farm. Et ce que je fais, c'est que je retourne en arrière, en fait. Alors, il y a un tout petit peu de chemin, mais c'est moins chiant que là, ce que je viens de faire. Et le loot est quasiment garanti. Soit là vous tuez tout le monde, ou alors vous tracez. Ouais, alors par contre si tu me bloques. Généralement je le lâche lui et puis il y fait le ménage. Bravo, piège mort. Hop, je retourne en arrière. Juste ces deux là que vous êtes obligé de les tuer direct. Parce que sinon ils vous font chier en fait pour la suite. Hop. Alors il n'y a pas forcément tout le temps du loot orange. Bien sûr. Et les armes oranges sont pas forcément toutes mieux que les violettes et autres. Hop. Bon après vous pouvez tout casser hein, mais c'est pas le but. Le but c'est vraiment de farm le boss. Enfin les boss. Et oui, on arrive assez vite ici en fait. Et encore là, j'ai pris mon temps.
faire attention à eux là en fait. C'est pas mis dans le bon ordre les armes. Arrête de m'embêter toi. Hop, le premier est mort. Je reste ici, hein. Je me prends même pas la tête. Hein. Enfin, si, je vais attendre de les chercher, mais... Au moins, je sais où se trouve le loot. Forcément. Eh mais arrêtez de me chercher. Bon, j'ai fait beaucoup de TK alors, je sais pas vous mentir. Mais normalement ça va beaucoup plus vite en vrai. Il reste un boss, je crois. Surtout que maintenant j'ai plein de mines. J'ai plein de grenades. Hein. On va tuer le boss là parce qu'il sinon. Ça permet de loot pas mal d'iridium et puis de cristaux roses. Et bah, vous voyez que là c'est un exemple parfait parce que j'ai pas de loot orange en fait. Vous savez, par exemple, parfois il y en a, parfois il y en a pas. C'est aléatoire. Hein. Après vous pouvez clean, hein, il y en a encore des mobs. Hein. Si jamais vous, vraiment vous farmez l'iridium et puis les cristaux roses, vous voyez qu'il y en a encore des mobs. Je crois pas qu'il reste le boss. Ah si, il reste un boss. Ah, attendez. Tout le monde y est mort. Ça peut être une bonne façon aussi de se faire un peu d'argent. Pourquoi pas. On n'a pas eu d'orange. Enfin bref, je fais ça et en fait ce que je fais c'est que je retourne en arrière. Vous savez quoi, je vais vous le faire en complet. La vidéo va être un tout petit peu plus longue. Je suis désolé, hein, je suis pas très dynamique dans cette vidéo, je suis un peu crevé là, je vais pas vous mentir. Je galère un peu à parler de temps en temps. Hop. Je vous montre la truc au complet comme ça. En vrai, c'est mes grenades qui font le plus gros du taf, hein. On peut se mentir. Jette mes grenades, ça clean toute la zone quasiment, même les boss. Parfois ça tue même la tête quand elle spawn, donc...
Eh, mais il a pas tué tout le monde, lui. On va s'amuser. Enfin, je la loot d'un niveau supérieur, cette arme. Hop, je retourne à la mine. Et ce que je fais, c'est que je vends tout ce que j'ai ramassé en fait. Tout ce qui m'intéresse pas. Quelques balles magiques. J'ai rien ramassé. J'ai pas ramassé d'armes du tout. Ah ouais. J'ai ramassé que des grenades. Ah ouais, c'est trop. Continuez à dépenser vos balles. Et en gros, bah je quitte. Et on refait la manip. Donc voilà. Bah écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là-dessus. J'espère que ça vous aura plu. Désolé, ouais. Je suis un peu crevé. Et tant que je m'arrête. Mais on a pas mal avancé. On a fait un boss et tout. C'était cool. On a fini cette zone et on va pouvoir passer à la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche. Si jamais c'est pas encore fait. Et pensez au petit pouce bleu si ça vous a plu. C'était Makito, portez-vous bien. Tchuss.